sports. It's in the game. Salut à tous, on se retrouve une nouvelle fois avec du football féminin et l'Euro 2022 en Angleterre. Alors après avoir fait les quarts de finale, alors certes j'avais été aux prolongations, on a eu un match un petit peu différent parce que finalement les Françaises ont archi dominé leur sujet. Cette fois-ci on va se retrouver face aux Allemandes. On peut le voir, la bataille au milieu de terrain va être compliquée statistiquement, elles sont devant nous. Bonjour à tous, c'est l'ambiance des grands jours aujourd'hui, comme souvent dans ce stade Vélodrome qui est plein. C'est moi, Hervé Matou, qui vous commenterai ce match. Comme d'habitude, c'est un plaisir, pour moi en tout cas. La France contre l'Allemagne. Je suis fidèle au poste, comme toujours, pourvu que le match soit bon. En tout cas, même si elles sont qualifiées sur un pénalty qui n'est pas toujours la manière la plus glorieuse de gagner un match, très clairement, nos bleus ont, comme je l'ai évoqué auparavant, bien dominé. Et voici la composition. Elles avaient eu un sacré nombre d'actions. Qui vont débuter la rencontre. Le dispositif est un 4-3-3. J'aimerais bien avoir autant de cas. Deux ailiers, a priori. Voilà, je vous laisse découvrir la composition de l'équipe d'Allemagne. L'équipe va jouer en 4-3-3. On va avoir deux 4-3-3 face à face aujourd'hui. Un gros bloc hein, au milieu. L'arbitre qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Gros travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Ah oui, le tir. Oh, brillant. Oh, l'ouverture du score. Déjà un but dans cette rencontre. Ah, ça devrait être très animé. Mal. Ça fait très mal. On voit sur ces c'était images. C'était très vite, hein, les passes là. Là. Et après, à cette distance, on imagine bien qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Qui est pris un peu à contre-pied, c'est vrai que c'est à bout portant, mais c'est une augure, rien de score qui est donc ouvert 1-0. Oh, il y a un magnifique. Ah merde! Passe. Le drapeau s'est levé, le drapeau s'est levé. Quel dommage parce que cette passe était magnifique, l'appel était bon. Il y a juste un petit problème de timing entre les deux. La passe est interceptée. Ouais. Ah, dommage, ça faisait la même un peu ce qu'ils ont fait là.
Ah, dommage. Numéro 8 qui n'a pas été. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Les passes dans les pieds qui s'enchaînent. La frappe qui est bien partie. C'est au-dessus de la transversale. Ça m'aurait fait mal de prendre un but comme contre les Pays-Bas. Attention, oh là ce là ballon là récupéré là très c'est haut. Stupide. Stupide. Un tir lointain. Ouais, bah, là, oh, quel arrêt. Oh, quel arrêt. Un plongeon exceptionnel. Il était un peu loin. Il y avait danger. Ah, il est bien tiré le corner là. Comme il est dégagé par la défense. On est bien défendu. Elle interrompt cette action. Si on profère bêtement le ballon. Spécialiste. Griège Bogmatinka. Une touche pour l'équipe de France. Il faut trouver une option disponible. Oh, le ouais, passion. Voilà. Oh, les Françaises qui marquent. Bon. Les plaies. Elle est bien placée hein, sur ce but. Elle est récompensée de, d'avoir bien senti le coup. On revient. Allez, tout est à refaire. Un but partout. Centre peut-être, allez. Le ballon par-dessus. Ouais, une, deux. C'est parti au premier poteau. Ah, mauvais dégagement là, attention. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque, voyons voir. Oh, oh, je sais pas s'il n'y avait pas hors de. J'ai trouvé vachement devant. Et si elle lève la tête, elle verra qu'elle a du soutien. Ouais, non. Oh, la puissance de la frappe. Ouais. Alors, c'est dommage. Pour la c'est précision, dommage. C'était pour Thomas Pesquet, ce ballon, non? J'aurais peut-être dû jouer encore sur la gauche. Il me semblait qu'il n'y avait pas grand monde devant elle, donc je me suis dit, ah, elle sera plus dans l'axe. Finalement, elle a foutu un caramel. Dans l'espace. Ouais, très bonne anticipation. Ah merde! Ça, c'est parce que j'ai appuyé une fois de trop et le jeu l'a gardé en mémoire. C'est dommage. Personne dans le couloir pour gêner cette action. Bien. Je déteste quand elle commence à jouer comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Non, dans l'espace aussi. J'ai été finement joué. Non, c'est très mais bien. Mais ça n'a pas payé. J'avoue, peut tirer autant de fois qu'il veut comme ça. Côté au-dessus. Wendy Renard. Amel Majri. Ah la... directement ouais, à l'adversaire. Ça ressemblait à une passe classique la trajectoire. On fait tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse. Beaucoup de maîtrise technique. C'est
Pas faire de faute, mais... Ce sera un corner, hein, concédé par la défense, finalement. Pas prendre de but, pas prendre de but. Ah non, il n'est pas bien dégagé, ce ballon. Ah, joli. Attention à la contre-attaque. Ah, la bonne lecture, là, pour intercepter ce ballon. Ouais, belle série de passes là. On est en phase de préparation avant de piquer. Putain, le bordel. Non, un ballon facile pour la gardienne. Ouais. On a fait un peu peur. Hein. Je sais qu'on était dessus, mais côté à chaque fois. Wendy Renard. Oh, ça, mais merde, un ballon offert. Il y a des trous et il tire sur les joueurs. Casse-pied. Oh, ouais. Non, c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire. Alors, j'ai pas compris. Mais pourquoi? Pourquoi elle file le ballon? Mais alors, je comprends pas. Elle file le ballon à la nana qui a perpète les oies et il y a quelqu'un qui est devant. C'est incompréhensible. L'IA les passe, là. On va le revoir, hein, mais... Ah, ça, c'est des trucs. Ouais, forcément, ça s'applique. Forcément, on va pas le voir. Alors, est-ce qu'il y a un replay? Voilà. Tac. Ouais, bah non. Ah, et ils sont fâches. Ah, si, voilà. Ouais, c'est exactement sur elle que je veux faire la passe. Et ça part dans l'espace. Je comprends pas. J'ai pas appuyé comme un sourd en plus. Mais c'est. Ah, ça fait chier de prendre un but là-dessus. Hein. Ah, franchement, ça fait chier. Ah ouais, c'est... Ah, c'est un petit but d'avance, hein. Donc. Le score est de 2 buts à 1. On sent qu'en face, il y a... Faut rien leur donner. Putain. Amel Majri. On s'approche du but. C'est pas mal, ça. Oh, joli. Allez, il faut centrer. Elle s'est arrachée. Et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement. C'est pas fini. Par contre, on voit qu'il y a une masse verte, là. Attention, ça peut devenir intéressant. Au centre, il y a du monde. C'est un petit peu brouillon en défense. Hein. Il est mal dégagé, ce ballon. Jennifer Marochan. Bien, parfaite, hein, bonne anticipation. Amel Majri. Oh là là. Ouais, bel appel de balle. Ouais, ah, c'est joli. C'est l'égalisation. Les voilà qui reviennent dans la course. Ça fait du bien. Ouais, c'est une passe en profondeur sur son du hors-jeu. C'est, hein. C'est vraiment limite. Hein. Elle face à face qui a remporté grâce à la frappe puissante et limpide en conclusion. En mi-temps, ça va. Ah, décidément, dans ce match, personne n'arrive à prendre le meilleur sur l'autre. Ça fait du bien. D'effacer cette vilaine. Vilaine erreur. Jennifer Marochan. L'arbitre a décompté 2 minutes hein, de temps additionnel. Ah non, le ballon est perdu. Ah, attention hein, au pass là, au dosage. Et Molo, hein. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Ah, dommage. La mi-temps sifflé à l'instant par l'arbitre.
il y a eu le début. Il reste du suspense avec ce 2 partout à la pause. Il y a eu du spectacle, hein. L'arbitre qui donne le coup d'envoi de cette rencontre. Ça a été rapide. Hein. Oh là là, ce jeu rapide. Ah oui, le tir. Oh, l'ouverture du score. Déjà un but dans cette rencontre. Ah, ça devait être animé. Frappe qui est bien partie, c'est au-dessus de la transversale. Un tir lointain. Ça, ça aurait pu faire mal. Hein. Quel arrêt! Oh, quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Il faut trouver une option disponible. Oh, l'occasion! La puissance de la frappe, alors pour la précision, c'était pour Thomas Pesquet ce ballon, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider? Ouais, dommage, c'était finement joué, mais ça n'a pas payé. Un but tout en finesse. Ça pardonne pas. Amel Majri. Ouais, le ballon qui est donné en profondeur. Ouais, bel appel de balle. On va trembler. Et c'est le but. C'est l'égalisation. Les voilà qui reviennent dans la course. Alors, petit tour des stats, ils ont largement dominé hein, en termes d'occasion, 7 tirs contre 4. Nous, on a eu quand même pas mal de réussite, hein. 2 buts sur 4 tentatives et puis possession de ballon 50-50. C'est reparti pour 45 minutes. J'ai mis le temps. Faut aller les gêner dès le début si on commence à les laisser faire leur face à 10. Là. La voie est libre. Niveau vitesse, on n'est pas du tout dans la même catégorie. Ouais, la passe est interceptée. Oh là, oh là là, elle est faute l'arbitre. Une faute, mais l'arbitre laisse l'avantage. Ouais, mais je veux pas spécialement. Je préfère dégager ce ballon. Calmement. Oh putain, c'est moi qui la sort. Ouais, super. Super, l'IA qui va chercher le ballon tout seul et qui l'a. Dommage. C'est dommage. Attention, ça va vite à son côté. Ouais, très bonne anticipation. Ouh, sur ce ballon. Ouais, dommage. Attention sur les trajectoires. Hein. Oh là là là. Et une aide qui tarde à venir. Ouh. L'attaquante qui n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. J'ai eu chaud. J'aime bien qu'elle se démarque un peu. Oh. La passe est interceptée. Pff, bah non, elle a pris dans les talons. Ah, une phase de possession. Florilège des pires conneries à faire. Oh, il était temps d'intervenir là. Il faut calmer le jeu et arrêter les bêtises, c'est bon. Ouais, ouais, elle était toute seule devant. En contre, attention. Attention. Ah, hors-jeu. La grosse occasion. Mais quel con, hors-jeu. Non, hors-jeu, hors-jeu. Mais non, hors-jeu, hors-jeu, hors-jeu. Ah, j'ai pas compris. Mais oui, mais elle a passé une accélération, j'ai pas compris. Je voulais assurer le truc en faisant un N2. Mais elle... Voilà. Putain, con. Mais quel con.
En fait, j'ai attendu pour que la gardienne sorte un peu. Sur le touche, on a estimé qu'il fallait changer quelque chose. Une occasion en or bêtement gâchée. En fait, j'ai vu les deux défenseurs qui étaient très écartés, ma joueuse qui était au milieu. Oh, je me suis dit, là, la passe en profondeur va être magique. Putain. Ouais, c'est terrible. J'aurais dû tenter le shoot. L'action qui se poursuit. Que de bêtises. Jennifer Mao-chan. Ouais, ça, oh là là. Ouais, j'ai fait sortir le gardien, j'ai eu un peu peur. Hein. Mauvais dégagement, mal fait. Ouais, ça c'est bien. Il y a peut-être moyen de placer un contre, ouais. Attention. Un contre un avec la gardienne. Ah, c'est pas fini encore. Ouais, joli. Oh, c'est le but. Le but qui leur permet de passer devant. C'est doublé en plus. Ça s'y prêtait un peu plus. J'ai eu peur quand même qu'elle n'arrive pas assez vite. Oh, voilà, on va le revoir. Hein. Qui amène ce but. Parce qu'elle déboule à une vitesse. Bien la gardienne est en retard. Devant la défenseuse au dernier moment. Et on prend l'avantage pour la première fois. Et 3 buts à 2 au score. Quel match! Et 30 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Non, faut tenir, voire peut-être espérer en mettre un autre, ça serait bien. Alexandra Pop. J'ai peur là, quand je les vois faire. Oh là là, c'est comme le premier but. Hein. Ils font des trucs pour faire bouger nos défenseurs, créer des espaces et. Alors, peut-être l'occasion de placer une contre-attaque. Oh la bonne. Oh là là, l'arrêt. Sur le poteau. Très bel arrêt. On va le revoir. Donc, je sais où sont les ralentis. Ça va un peu vite. Ah, oh, poteau. Très bel arrêt. Hein. Surtout qu'on voit la gardienne partait de l'autre côté. Time. C'est vrai que le jeu est un peu avare en ralenti. Peut-être. Il le fait qu'à certains moments très précis. Alexandra Pop. Puis des fois sur des. Des tirs lunaires qui méritent pas. Allez, une sorte d'arrêt, on les retrouve là. Oh là là, ouais. Ah, là, là. Et le but, égalité à nouveau. Hop 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 hop. Génital. Génital. On revoit cette action décisive. Partie de ce centre. La contrôle, reprise directe. Ajusté à la fin. Alors si notre match avec la Belgique avait eu un 2-1, avec le but là, puis notre match avec les Pays-Bas, c'est un peu énorme. Et le temps qui passe, ouais, les buts qui continuent de tomber. Du coup, j'ai pas trop envie de me retaper des prolongations. C'est mal terminé la dernière fois. Oh, que c'est bien donné ça en profondeur. Oh, tout simplement son troisième but personnel aujourd'hui. J'ai cru que c'était à côté. Ça a été tombé dans le petit filet. On voit sur ces images la passe en profondeur hein, tout par-delà. Et ensuite, elle vient conclure cette action. J'ai hésité aussi à pousser mon ballon sans se poser trop de questions. Ah ouais, non. Parfait. Un triplé de nouveau, comment c'est elle qui avait mis un truc, je crois, lors du premier match contre l'Italie.
a eu de la chance. Et le score réaction... qui est désormais de 4 buts à 3. Action instantanée, par contre j'ai un peu peur. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. Alexandra Pop. Merde. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Elle a mis du temps pour se retourner. Hein. J'avais contré ce ballon. Allez, le centre maintenant. Un centre qui est contré. À dégager ce ballon. Tiens, vous voyez que le synthé confirme notre impression. L'équipe locale est un petit peu privée de ballon. Hein. Ça n'a pas empêché cette équipe de se montrer réaliste. Elle a l'air de vouloir faire bloc maintenant et de laisser l'adversaire prendre les initiatives. Allez, pour qui ce centre? Ah non, il n'est pas bien dégagé ce ballon. Ah, dommage. Contre-attaque direct. Jennifer Marochan. On va peut-être assister à une contre-attaque. Pas ça, hein. Il y avait un boulevard de loin. L'adversaire récupère. Ah, il y a... Alors, c'est génial, ça siffle. On voit pas ce qui s'est passé. Ça va tirer direct. On n'a pas profité. On revient à la faute. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Oui, le but, oh, qu'elle est belle. Ça a été joué. J'ai rien. Techniquement, c'est parfait, magnifique. Ça a été joué à la vitesse de Flash. Un peu étrange. Enfin, regarde ces images, on va pouvoir analyser quand même cette volée. Voilà. Ouais, là, exemplaire encore en ce jeu collectif. Le geste technique est juste parfait. Putain. C'est Pierre Lama gardienne, là, je sais pas trop ce qu'elle fait. Elle est dessus, mais elle veut pas toucher le ballon. Mon dieu, ça fait un copier-collé de la Hollande. Qui n'a pas compté ses efforts et qui a été récompensé, qui a fini par revenir au score. Amel Majri. Cette faute là. On en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. On est dans le money time, hein. Le match se joue maintenant. Putain, je fais coller le ballon. Hein. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire. C'est pour ça. Placer une flèche. Avec un tir. Oh, c'était quoi cette frappe? C'est pas fini. Ah, allez, fallait taper un caramel. Ouais, c'est dégagé, sans se poser de questions là. Ouais. Tentative de... Oh là 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 là, le mur. Qui évite le pire à son équipe. Ah non, ça aurait été bien. Ce serait un corner et ça peut permettre à cette équipe de gagner en tête si elle marque. C'est dommage, elle la reprend dans la foulée et... aurait mérité d'être un peu plus élevé. Après, la gardienne, mais un réflexe. Le corner, le ballon en pleine surface. Oh, c'est passé là, le ballon. Ouais, j'ai pas compris. Complètement vendangé, c'était une énorme occasion. On peut être une balle de match. C'est marrant comme. Alors, si tout à l'heure on a fait une passe toute légère qui a ça été. Ça pourrait bien être la balle de match. J'aimerais bien du soutien. Hein. Allez, il faut centrer vite. Non. Oh merde. Ouais, la passe de la gardienne qui a été considérée comme appuyée. Qui a été donné un petit peu j'ai vite. Pas compris, là c'est l'inverse. Et un retour de position j'appuie de hors-jeu, logiquement sanctionné par l'arbitre. Passe sur la gardienne. Oh putain. Allez, laisse faire. C'est pas bon. On sait comment ça finit. Ouais, elle sait qu'elle a du soutien, attention. Elle commence à. Voilà, à faire leur passe rapide, je peux absolument rien faire à ce position. Allez, le dernier mot pour la gardienne. Il va y avoir une action décisive là. Ah, le public sent que c'est le moment de marquer. Hein. L'équipe est accrochée, il faut faire la différence. Oh putain, mais c'est quoi cette passe? C'était sur la note. A accordé 3 minutes de temps additionnel. Leur système de passe est d'une précision. La passe aérienne, pas mal. Horrible. Oh putain. La dernière action sera pour elle. Allez, après tout, pourquoi pas? Non. Il faut trouver une option disponible. Bonne protection de balle, là. Ce sera encore concédé par la défense, finalement. C'est chaud, hein. À une minute, là. Serre les fesses. Le corner en direction du point de pénalty.
Ce ballon qui est bien récupéré grâce à ce tacle. Oh, et puis nous laisser la fin l'action du temps quand même. Réglementaire. Impossible de départager aujourd'hui ces deux équipes. Ça craint, hein. 4-4, deux mi-temps similaires. Oh, s'il te plaît. De toute façon, on aura l'occasion de revoir les buts. Alors, on a inversé la tendance, hein. On a eu plus d'occasions dans cette mi-temps. Mais c'était pas suffisant. Voilà. Jouer le classique. Hein. La première prolongation, c'est parti. Ça va se jouer au physique, hein, au mental également. Les deux équipes sont fatiguées. Là, on le voit, les jauges sont cramées. Amel Majri. Ah, il y a beaucoup d'espace devant. Un centre à destination de ses partenaires. Une mauvaise relance. Bien protégé ce ballon. Elle est toute seule à pas faire le contre-attaque quand même, les enfants. Venir attaquer. Et... La rencontre est vraiment très plaisante, hein, très équilibrée. On a vu des buts, on voit des occasions, beaucoup. Alors je. C'est par trop tôt, bon mais c'est ça sert à rien. Écoute, s'il fait arbitrer en jeu, ça sert à rien. La bonne protection du ballon là, bien campé sur ses jambes. Ça, ça peut devenir dangereux. Oh, il était temps d'intervenir là. Okay. Un intercepte. Dommage. Oh là, attention. Centre peut-être, allez. Mauvais dégagement, mal fait. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Il faut trouver un. L'ouverture. Ah, il fallait le récupérer. Elle était fort. Elle a plus beaucoup d'énergie. Hein, parce que ça ressemblait beaucoup à. Je sais plus quel but qu'on a mis. Jennifer Marochan. Aurait été plus fraîche, à mon avis. Elle touchait ce ballon. Ouais, la passe est interceptée. Le ballon est perdu. Ouais, dommage. Elles ont un sacré positionnement. Les Allemandes, elles ont souvent été. Sur les trajectoires. La voie est libre. Ah là 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 là. Allez, boum, au moins ça débarrasse. Ouais, tu m'étonnes. Il y aura donc une minute de temps additionnel. Putain. Ah, c'est bien donné ce ballon. Mets-moi l'angle. Oh là 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 là, l'arrêt. Magnifique à bout portant. Mon Dieu. Ed Warner. Bon, il faut siffler là, 1 minute 30. L'arbitre ouais, il a tiré ce corner. Oh, enfin, c'est terminé. Eh, j'ai vu le filet qui a bougé. J'ai prolongation. J'ai c'est toujours peur. Aussi indécis. Ouais. On se fait peur. On se fait très peur. Okay. 11-14, on voit que c'est elles qui ont été plus dangereuses. Hein. C'est finalement un ballon perdu. Attention, parce qu'elle est un peu toute seule. On cherche la faille dans la ouais. Défense adverse. Pas simple, hein. Allez, ça peut peut-être se jouer. Ouais, joli. Pour les joueuses françaises.
début de deuxième mi-temps. Sans qu'elles sont fatiguées. Hein. On la revoit sous un autre angle. J'ai vu les jaunes, elles sont toutes dans le jaune. Allez, juste je pense qu'en face, ça doit être pareil, mais on va moins pouvoir les surprendre. Pas loin hein, la gardienne. Hein, mais... Ah, le score qui est ici maintenant de 5 buts à 4. Ça serait bien qu'on arrive à figer les choses. Qui est fasciné par ce spectacle étonnant. Allez, il faut bien s'appliquer sur ce ballon. Il y a encore de la place pour égaliser. Tais-toi, toi, loulou, là. Allez, peut-être une bonne occasion. Il faut trouver une option disponible. Attention en jeu. En prise. Oh oui, oh, but, oh, oh, oh là 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 là. Techniquement, alors c'est là, assez elles magnifique. Sont effondrées en face. Ah, ce but est sublime. C'est la même Camille. Camille 5ème. On voit ce centre à l'origine du but. Je voulais éviter le hors-jeu à tout prix. C'est ça qui fait le reste. Bon équilibre. Elle a fait une Pogba. Ah, 6-4. Hein. Je crois que ça faisait vraiment un bail que je n'avais pas vu ça. Plus que 7 minutes à jouer dans cette seconde période de prolongation. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. On va calmer le jeu. Hein. On sait que s'ils reprennent le ballon, ils peuvent trouver le plus facilement. Griège, Bogmatinka. Les 5 dernières minutes de ces prolongations. Ah, les joueurs se trouvent plutôt bien hein, dans ce match. Oh, la défense, là, bien vigilante hein, sur ouais, ce ouais, coup. Ouais, non, 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 non. Franchement. Alexandra Pop. Je ne saurais pas dire quelle était l'équipe la plus redoutable Jennifer Marochan. Entre elle et les Pays-Bas. Parce qu'en fait, les Pays-Bas, il y a eu quand même deux caramels qui nous ont mis sortis des 16 mètres. Là, qui coule, attention, l'accélération. Ouais, qui était un peu. Mauvaise relance. Là, j'avoue, là où ils m'ont impressionné, là, c'est sur leur. Ça peut devenir dangereux. Leur jeu collectif dans la surface, elles ont été largement au-dessus. Ouais, le corner en direction du point de pénalty. Ah, ça va s'y dégager. Voilà, c'est terminé et c'est le résultat que le stade attendait, à savoir une victoire à la maison. Cette équipe a livré une prestation solide. Bon, on décroche. On s'est pas contenté de gérer son avance. La victoire, mais c'est net. Ça a été compliqué. Hein. Ça a été compliqué. Merci public. Là où ça a été sympa, c'est qu'il y a eu beaucoup de buts. Il y a eu du spectacle, mais je pense que le plus beau, c'est le dernier. Amel Majri. Ouais, le ballon qui est donné en profondeur. Ouais, bel appel de balle. Et c'est le but. C'est l'égalisation. Les voilà qui reviennent dans la course. Ah, c'est pas fini encore.
Oh, c'est le but! Le but qui leur permet de passer devant! Allez, il faut centrer. Allez, peut-être le but égalisateur. Et le but! Égalité à nouveau! Oh, que c'est bien donné, ça. Ben, c'est tout simplement son troisième but personnel aujourd'hui. Il a fait mal. Ça n'a pas profité, on revient à la faute. Peut-être l'égalisation sur ce coup. Oui, le but, oh, qu'elle est belle! Quelle reprise! Peut-être leur plus, c'est parfait, plus, plus beau but, hein. La tête. Allez, ça peut peut-être se jouer là. Au but pour les joueuses françaises. Il faut trouver une option disponible. On verra le dernier quand même. Reprise! Ouais, le but, oh, qu'elle est belle! Quelle reprise! Techniquement, c'est parfait, magnifique! J'ai même l'impression qu'on était plus offensif hein, dans cette deuxième période. Il y avait 11-14, je crois. Ouais, 14-14. On est revenu dans le match. C'est bien. Bon, bah voilà, bah écoutez, j'espère cette fois-ci que la France va faire comme moi, hein, parce que quart de finale, ils auraient été meilleurs que moi. Et puis en espérant, bien sûr, les retrouver en finale. Mais bon, chaque chose en son temps, déjà d'arriver en demi-finale, c'est très très fort. On voit que les quatre équipes qui vont s'affronter, il y a un sacré niveau. On fait de belles choses pendant les matchs de poule, donc très clairement, on devrait avoir du spectacle. Voilà, suite au prochain épisode, on se retrouve pour la finale. EA Sports, it's in the game.